sleep, told me keep silent. In the streets and we're still wildin'. Bring me peace, throw me violets, no violence. In the sun where I'm highest, melanin biased. Dumb iron made, darkest shade, watch it cleanse my braids. Skin don't fade and I'm still not fazed by your magazine praise. We just wanna be great in these African jeans. All I want is my kids to have some nepotism. All I want is my wealth to have some repetition. Call my humble son and tell him that's the mission. Tell him that's the vision. Yeah. Tell him that's the mission. Yeah. Tell him that's the vision. Salut tout le monde, très heureux de vous accueillir ici à Turf Moor malgré la pluie qui tombe. Allez, avant le coup d'envoi, bah, je vous rappelle que je vais vous commenter ce match. Bah oui, vous vous en doutiez, j'imagine. Spectacle en perspective aujourd'hui avec cette rencontre de première ligue anglaise, Burnley contre Crystal Palace. J'espère que la partie d'aujourd'hui va nous offrir du beau jeu comme on l'aime. La composition de Burnley, la voici. 4-4-2, classique aujourd'hui, une défense à 4, un double pivot au milieu de terrain. La composition de Crystal Palace. L'équipe qui va évoluer aujourd'hui en 4-5-1, une seule pointe. Thank you for attending today's game at Turf Moor today. Enjoy the match. Pleut. Neige ou quoi? Bah, ce qu'on dirait. Bah ouais. Le coup d'envoi à l'instant. Christian Benteke. Benteke le goal de Christian Benteke. On voit cette frappe fatale, magnifique. On va l'admirer à nouveau sur son ralenti. Déclenché en une fraction de seconde. Exécuté à la perfection. Oh.
donc l'ouverture du score 1-0. Oh, bien coupé là par le défenseur. On s'approche de la zone de vérité. Qui sonne. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Geoffrey Schloop. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans l'un des autres matchs? Il semblerait qu'il y ait eu un pénalty. Oui, Hervé, un pénalty accordé à Manchester United. Cristiano Ronaldo ne s'est pas posé de questions, même si entre nous, le gardien a peut-être plongé un peu vite. Un but à zéro, donc, alors que le match a commencé il y a 10 minutes. Merci, et merci beaucoup pour ces informations. Edvald. Jones. Attention, elle pourrait être dangereuse cette attaque. Elle attend l'ouverture et le ballon bloqué par le gardien. Oh, excellent contrôle. Aaron Lennon. À la surface, il y a du monde. Oh, le but! Oh, magnifique! Quelle reprise! Oh, voilà, contre-attaque qui amène ce but. Pour le gardien, se faire prendre au premier poteau comme ça, c'est rageant. Et voilà donc à égalité, un but partout. Kamili Bojevic. C'est le Menteke. Elle lui remet. Ouais, ça joue vite et bien. Ouais, ça c'est très bien défendu. Elle caisson. On me dit qu'il y a eu un but à Villa Park. Ça joue à Birmingham. Oui, 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 il s'agit du premier but en faveur d'Aston Villa. Un but à zéro donc, alors que nous en sommes à 22 minutes de jeu, Hervé. Merci à vous. Ah, il a mis de l'intensité dans son geste défensif et ça lui a permis de récupérer le ballon. Un bon coup d'œil. Allez, il continue. Oh, il y était presque, Jérôme Boateng. Le ballon va être en touche. Geoffrey Schloop. Jones. Christian Menteke. Oh, magnifique cette passe. C'est un corner à venir qui peut donner à cette équipe l'occasion de prendre l'avantage. C'est un corner qui ne va rien donner. On suit bien sûr ce qui se passe à Birmingham et je crois qu'il y a eu un but à Villa Park. Oui, oui, Hervé, c'est le premier but en faveur de Brighton & Hove. Un but inscrit par Harry Seferovic, consécutif à une erreur défensive. Ça fait donc un but partout. On joue. Bien joué. Bonne sortie là du gardien. Il était dangereux ce ballon, il l'a bien anticipé. Oh, mais. J'ai oublié le sel. Hein? J'ai oublié le sel. Pizza. Non, elle est interceptée cette passe. Christian Menteke. Oh, la belle série de passes là. On est en phase de préparation avant de piquer le corner donc. Il joue en deux temps le corner. Attention à la frappe. Eh oui, c'est une main et c'est un penalty.
Le gardien qui repousse. Maxwell Cornet. J'arrive plus à marquer ma peine. Il est sorti du terrain. Je crois que le score a évolué à Watford. On fait ce petit passage avec Eric Rhodes pour savoir. Oui, 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 il s'agit du premier but en faveur des joueurs de Watford. Ça fait donc un but partout après 38 minutes de jeu dans ce match. Merci infiniment. Ça peut être dangereux là s'il lance la contre-attaque. Oh, il n'y a personne pour l'arrêter. Oh, c'était dangereux, hein. C'était vraiment dangereux. Ce ballon est remonté à toute allure. Magnifique contre-attaque, même si elle n'est pas arrivée à son terme. Benteke. Avec ça. Il s'avance vers la surface. Ouais, ben bon, ça n'ira pas plus loin. Aaron Lennon. Ah, il perd de ce ballon. Il est sur la trajectoire. Le quatrième arbitre indique qu'il n'y aura qu'une seule minute de plus à jouer. C'est finalement un ballon perdu. Qui sonne. Et l'équilibre parfait à la pause. Un partout après ses 45 premières minutes. Il a fait une bonne première période. Bon match pour l'instant. Il a inscrit un but important qui permet à son équipe de rester dans le coup. Il n'a pas fait que ça d'ailleurs, il a été assez présent. On va retenir qu'il a fait une bonne première période, vraiment. Le coup d'envoi à l'instant. Et le but ! Déjà 1-0. Voilà. La seconde période de ce match, et on se demande bien qui va pouvoir l'emporter. C'est très équilibré pour l'instant. Caisson. Ouais, c'était dangereux, mais la défense s'est dégagée au grand soulagement du gardien. Ouais, c'est un corner. Allez, écoutez les supporters, ils ont compris que ça pouvait être important pour prendre l'avantage. Non. Et marque de la tête. On voit le but. Tout est parti de ce corner, la reprise de la tête qui ne laisse aucune chance. Il mène à la marque désormais de buts à 1. 14. Et on voit qu'il commet bien une faute hein, sur ce tacle. Ah ouais, c'est fou. L'entraîneur a décidé de faire un changement. Il faut qu'il centre maintenant. Allez, pourquoi pas l'égalisation. Voilà. Et c'est le but. Christian Benteken, le doublé. On voit le ralenti. On voit d'abord qu'il élimine bien son adversaire direct. Ensuite, il reste bien debout, malgré la pression de la défense. Et voilà, les deux équipes qui se retrouvent encore au coude à coude. Alors le ballon est perdu.
qu'est-ce qu'ils ont fait? Oh, bien joué. C'était chaud. Il a dégagé. Vous voyez ce rendez-vous, ce qui nous attend tout à l'heure, ça fait envie. Et bien sûr, encore une fois, c'est sur notre chaîne que ça va se passer. Oh, le bon coup d'œil. En jeu, ça se joue à pas grand-chose. Mais je crois que c'était la bonne décision. Il résiste bien, hein. Bien campé pour protéger son ballon. Un changement de possession, il va falloir se réorganiser. Oh, c'est désert sur les côtés pour Burnley, il y a un coup à jouer. Goodmanson. Un arrêt magnifique. Magnifique arrêt. Oh, il fallait le sortir celui-ci. Hein. Je crois que le score a évolué à Watford. On fait ce petit passage à Vicarage Road pour savoir. Oui, deuxième but à l'instant pour Watford. On en est donc à 2-1 après 60 minutes de allez, jeu. Christian. Parfait, merci. Allez, Christian. Oh, superbe ce tacle à un endroit crucial. Le rendez-vous de tout à l'heure, vous serez nombreux certainement à le suivre si vous avez l'habitude de me regarder, si vous aimez ce genre de confrontation. El Kesson. Oh oui, bien joué, le gardien à la parade. Le tir qui file tout droit dans les bras du gardien, pas de problème. On est gâté en termes d'occasion aujourd'hui, hein. Quel match. Visiblement, les deux équipes ont décidé de se porter sur l'attaque. Voilà, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut, il se balade littéralement dans la défense. Luka Milivojevic. Jones. C'est magnifique, et cette phase, elle est magnifique. Et voilà qui mène désormais. Ouais, c'était quand même idéalement placé pour marquer. Ça aurait été étonnant qu'il rate ça à cette distance. Quel match. Le gardien qui répond au présent sur cette action. Les 20 dernières minutes, hein, nous y sommes. Luka Milivojevic. Le ballon qui passe d'un joueur à l'autre, mais on est loin du but adverse, hein, c'est plutôt tranquille. Ça fait plaisir là, les joueurs de Crystal Palace. Ça c'était dangereux, bonne intervention. On me dit qu'il y a eu un but à Watford. Est-ce qu'on peut voir ce qui se passe à Vicarage Road? Oui Hervé, avec le deuxième but en faveur de Manchester United. Un but signé Cristiano Ronaldo. C'est son deuxième aujourd'hui à la suite d'une erreur défensive. Au total, ça fait donc 2 buts partout entre les deux équipes après 75 minutes de jeu, Hervé. Merci, merci pour l'info. Luka Milivojevic, c'est une sorte de passe à 10 en ce moment. On s'approche du but adverse. Jones. Nathaniel Klein. Ouais, bien taclé, le ballon qui n'est pour personne. Alors qu'on entre dans les 10 dernières minutes de cette rencontre. Ouais, ça va pousser hein, dans les dernières minutes pour égaliser. Allez, on peut égaliser là. Ouais, la bonne parade. La bonne parade qui sauve pour l'instant cette victoire. C'était une belle égalisation dans les toutes dernières minutes. Il cherche le point de pénalty. Corner qui est dégagé.
Et on me dit qu'il y a eu un but à Villa Park. Ça joue à Birmingham? Oui, deuxième but à l'instant en faveur d'Aston Villa. Le score, le voici, 3 buts à 2. Un entre haut. C'était bien tenté. Ça ne passe pas loin du cadre. Heureusement que cette équipe a montré un visage offensif très séduisant aujourd'hui. Parce qu'avec ces deux buts encaissés, ça aurait été difficile. Ils se font plaisir là, les joueurs de Crystal Palace. C'est touché hein, par le défenseur. Ce sera un corner. L'ambiance qui est un petit peu montée d'un cran. Le public qui a compris que c'était le bon moment là pour égaliser. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. Christelle Benteke. Et il n'y aura personne pour enrayer cette action de Crystal Palace. Ouais, la superbe intervention là de Nick Pope. Mais s'ils veulent passer une fin de match tranquille, c'est maintenant hein, qu'il faut marquer un nouveau but. Allez, le ballon en retrait, attention. Allez, attention à l'éventuelle contre-attaque. Oh non, c'est un adversaire qui récupère cette passe. Oh, il est passé. Allez, dans la surface, il y a du monde. Le centre, maintenant, il est contré. Et voilà, l'arbitre.